Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, nouvelle avis de pouilleux. Oui, c'est quelque chose qu'on nous avait demandé par commentaire et par message, mon petit bébé. Savoir si on avait demandé, Savoir si on avait un avis sur la Harley Quinn. Ouais. Donc on l'avait déjà tourné. Le problème, c'est que avec ces micros de mort. Oui. C'était la merde. Oui, bébé. Donc on va la refaire. Et on avait fait un live, on en avait parlé en live, et vu qu'il n'y a pas de rediffusion, les gens ne savaient pas. Ouais, d'ailleurs, il faut remettre la rediffusion. Du live de 3 heures. Mais bon courage à tous pour regarder ce live-là, parce qu'on a essayé de faire des sujets de vidéo, mais ça a été chaotique, le plus total. Vous nous avez régalé pendant 3 heures. Il n'y a absolument rien à dire. Donc, on va faire, comme tu l'as dit, l'avis sur la Harley Quinn, mais ça ne va pas être réellement un avis Monty Weber, ça va être surtout les problèmes qu'engendre ce buste-là. Parce que là, beaucoup de collectionneurs ne comprennent pas la méthode de fabrication de Infinity Studio par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est vrai qu'il y a des petits problèmes, mon petit bébé. Il y en a même des gros. Ouais. Alors, c'est ceux qui ont suivi le slide. Ouh là là, c'est beau, ça va bien. Le live, vous savez que c'était une pièce que j'avais précommandée. J'étais indécis dans le sens où je ne pense pas que je vais la garder, mais en finalité, je vais la garder parce que c'est une pièce qui attire ma curiosité. Et vu qu'on parle des défauts, ça me ferait chier de me dire que je n'ai pas vu. Et à travers les vidéos, il y a certaines vidéos où c'est pas non plus, très très détaillé du moins. Ouais. Et du coup, on n'a pas totalement notre avis. Donc, c'est une pièce qu'on va voir ici sur la chaîne. Comme ça, on pourra déglinguer le bus bébert s'il y a besoin de le déglinguer. Parce que je pense qu'il y a un petit peu besoin de le déglinguer. Oui, je pense aussi, on tire, parce que pour nous, il y a des choses qui ne sont pas normales. On a beau mettre 4000 euros dans une pièce, si elle arrive et que c'est de la merde, on n'hésitera pas à dire que c'est de la merde. On est sponsorisé par personne. Infinity Studio ne paye pas les pièces, on nous les paye nous-mêmes. Donc, s'il y a des choses à dire, on le dira, mon petit bébé. C'est quand même bien de le préciser. C'est normal. Ensuite, mon petit bébé. Oui. On va parler d'un petit sujet. On a reçu aussi des messages concernant le live de Samuel et que savoir si on faisait la gueule à Samuel ou si on avait des problèmes avec Virtual Devil. Alors sachez que pas du tout. Je pense surtout que c'est un malentendu d'un manque de communication de ma part. C'est vrai que c'est plus toi qui gères les réseaux sociaux, ouais, entre guillemets, qui a plus les messages, vu que c'est un peu lui, entre guillemets, qui était vraiment basé sur la collection de bustes au début. Donc c'est vrai que tout ce qui est réseaux sociaux par rapport au bus, c'est plus lui qui gère parce qu'il connaît plus, etc. Donc on a regardé, il y avait un message où on n'a pas répondu. Ouais, alors oui, parce que moi je suis entrepreneur et j'ai eu des trucs professionnels à faire et j'avais une tête qui était comme ça, donc j'ai eu beaucoup de messages en attente, des messages qui sont restés sans réponse et des messages que je n'ai même pas regardés. Alors j'espère que c'est pas ce message-là, ou alors à moins que Sam, on avait un Facebook de John Bertrand sur les pouilles des collectionneurs qu'on a été piraté, moi et Bébert, impossible de retrouver le putain de code. En fait, on peut se connecter, mais ils envoient un code de sécurité. Et ils l'envoient ni sur notre boîte mail, ni sur le message. On ne le reçoit jamais, donc on peut plus se connecter dessus. Après, je pense pas qu'il ait essayé de nous joindre par C'est possible si sur compte Facebook là, parce qu'au final, on faisait pas grand-chose avec celui-là. Alors, je sais c'était pas. C'était juste un copier-coller d'un stock. On le mettait sur Insta, ça le mettait sur Facebook, et puis voilà. Enfin, je pense que c'est un malentendu. Il n'y a rien de non, on ne te boycotte pas, ou je ne sais, je sais plus exactement ce que tu as dit dans la vidéo, mais non, il n'y a aucun souci. Non, il n'y en a aucun problème avec toi, déjà pour un point de vue personnellement. Et sur YouTube, il n'y en a absolument aucun intérêt qu'on a des problèmes avec toi, parce que il y a le travail des professionnels et il y a le travail aussi des pouilleux, comme nous, mon petit bébé. Exactement, ouais. Nous, on est pouilleux de mort. Ah ouais, nous, on cherche pas. Ah non, du tout. Mais de toute façon, je t'enverrai un petit message, Sam, si tu vois cette vidéo, ou si certains, parce que
On a beau avoir une petite chaîne de 790 abonnés, dès qu'il se passe un truc ailleurs, on nous envoie tout de suite s'il y a des problèmes. Alors non, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on va le mettre dans le titre, ça va faire blinder de vues. Bah oui, bébé. Et vu qu'en même temps, on ne veut pas que ça attise la haine partout et que tout se raconte n'importe quoi, parce que c'est vrai que nous, mis à part YouTube, on n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, enfin. Insta, mais bon, c'est pour poster des photos. On pose des photos. Ouais, enfin, voilà. On n'a jamais rien dit, ou à moins qu'il y ait des choses. Enfin bref. Enfin, la conversation, ça, je sais que tu verras peut-être cette vidéo. Donc là, je t'enverrai un petit message que je n'ai pas le temps de passer à ta boutique que je connais très bien. Sur Charleville. On passe devant mon petit Weber quand je vais à la banque. Oui, oui, je vois où c'est. Bon, on revient sur le sujet de la vidéo qui est la Harley Quinn. Alors, arrête de taper sur ce putain de bureau. Tu n'entends pas, bébé, avec le... J'en sais rien, mais Weber. C'est chiant. Bébé, j'ai... Vous avez vu comme je suis beau, moi, aujourd'hui, en fait? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, bébé? Petite chemise. Ouais, ouais. J'étais à une inauguration aujourd'hui. Enfin, bref. Et t'as vu qui, bébé? J'ai vu mon grand patron. Qui est multimilliardaire. Alors lui, c'est pas un pouille, lui, par contre. Mais... Alors lui, il n'y a pas de souci. Non, non, ça, c'est clair et net. Il n'y aura pas de teasing, Bébert, sur cette Harley Quinn, parce qu'on ne l'a pas trouvé, et il me semble qu'il n'y en a pas. Ben, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu, d'en avoir vu un. On a regardé, on n'en a pas trouvé, donc on va passer directement aux photos. Et puis voilà. Après, on peut parler vite fait des caractéristiques techniques. Oui, mon petit Bébert. Donc, hauteur 77. Largeur 88, forcément, avec son bras comme ça, la batte. Et la profondeur 47, le tout en centimètres, bien sûr. Heureusement, bébé. Au niveau... Alors, oh bébé, j'ai oublié. Au niveau du tarif, on se situe dans les 4 500-4 700 euros. Oui, c'est encore un prix très élevé. D'ailleurs, je crois que ça a toujours été le prix affiché. Il n'y a pas eu d'augmentation. Mais là, c'est très élevé pour... Pour ce qu'on va peut-être recevoir. Ouais. Pour la suite. Ensuite, les éditions, bébé, je vais en parler tout de suite. Partout sur tous les sites, hein, c'est marqué 400 éditions. Vous ayez sur les sites de revendeurs, vous ayez même sur Sideshow. Par contre, si vous allez sur le groupe, enfin sur le site d'Infinity même, eux ils disent bien. Ils ont un site. Ouais, ils ont un site. Je l'ai trouvé, bébé. Ah ouais. Ils disent bien 400 exemplaires en inter et 499 exemplaires en Asie-Pacifique. Ce qui fait un total ben, quasi de 900 pièces. Alors que quand on achète... On a le même problème qu'on a déjà reparlé sur les autres vidéos. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais avant, pour moi, il n'y avait pas le problème. Parce qu'on avait discuté avec Infinity quand le Bruce Lee a dit 500 exemplaires. C'était 500 exemplaires dans le monde. Là, je pense qu'ils ont changé leur politique et qu'ils le signalent maintenant sur leur site. Par contre, les revendeurs, eux, un peu à droite à gauche, ne le signalent pas. C'est-à-dire en photo, 400 exemplaires. Toi, t'es collectionneur, tu dis j'achète une pièce à 400 exemplaires. Tu la reçois, tu t'apprends qu'il y en a 900. Ça fout un petit peu les boules, mon petit bébé. Oui, un petit peu. Il faut avouer. Donc, après, moi, perso, je m'en bats les couilles, mais... Bah, je sais, bébé. Toi, tu t'en fous complètement. Ah, il faudra mettre des bips, au fait. Oui, on va mettre un petit peu de bips dans cette vidéo. Donc, dans un premier temps, comme on vous l'a dit, ça ne va pas être spécialement un avis complet, mais plutôt les problèmes qu'engendre cette pièce. Dans un premier temps, on va regarder les photos. Bah, essaye d'en mettre une en du buste en entier, déjà, pour qu'on voie un peu de quoi on parle. Ouais, alors voilà, on parle d'elle, mon petit bébé. Ça, c'est la version... Voilà, là, on a la base, on a tout. Photo d'Infinity Studio, donc prototype. Bah, sur cette photo-là, il avait l'air cool, le buste. Oui, il avait l'air cool, mais quand même mitigé chez certains collectionneurs qui ne voyaient pas spécialement Margot Robbie. Alors moi, je la voyais, donc c'est pour ça que je l'ai précommandé. Oui, c'était pas Margot Robbie à 100%, ça c'est sûr, mais c'était une très jolie Harley Quinn, et en plus, la pièce, elle impose un peu, tu vois. Putain, j'ai pas révisé, j'ai pas regardé le film. T'as pas regardé Suicide Squad? Enfin, je l'ai vu, mais il y a longtemps. J'aurais dû... Le revoir. Bah ouais, attends, t'as été professionnel sur Darkseid et pas sur celle-ci. Ouais, celle-là, c'était un petit peu... Mais non, sinon, moi, perso, la pièce, je la kiffe bien. Enfin, sur ce visuel-là, on va en revenir pour la suite. Mais après, je suis moins fan de la base avec cet effet de fumée bleue un peu psychédélique. Mais dans l'ensemble, la pose est cool. Les accessoires, il y en a pas mal. Le flingue a l'air bien fait. Donc, enfin là, on le voit pas beaucoup, mais sur les autres photos, on le voit. Et la ressemblance, je trouve que oui, je saurais pas dire ce qui cloche un petit peu, mais on la reconnaît quand même, et je trouve que ça reste quand même pas mal, quoi. Alors. Ça, c'est un avis général. Après, regardez bien la pièce, vous n'avez aucune différence de texture, aucune différence de teinte, regardez la teinte du visage et la teinte des trous au niveau du corps. Vous voyez, il n'y a aucune différence. On est bien d'accord. Visualisez à chaque fois bien ce qu'on vous montre. Ensuite, on va vous montrer une photo du prototype réel, donc existant, bébé. C'est-à-dire qu'elle est ici, on vous met la photo. Alors attention, il y a les changements de couleur, enfin de lumière, on n'est plus sur une photo studio, mais bon. Là, franchement, ça annonçait
Moi, j'aime bien parce qu'en plus, il y a voilà l'arme, la batte de baseball. C'est vrai que dans le domaine de la collection, beaucoup ont aimé le personnage et surtout le côté accessoire. Tu sais, ça impose un peu, tu vois, c'est quand même dynamique. Ouais, ouais. Donc là, c'était quand même plutôt cool. On l'a tous vu passer par rapport à YouTube chez certains gros YouTubeurs chinois ou même des gens qui faisaient des interviews ou quoi que ce soit. On voyait la pièce, donc il y avait de quoi un peu se rassasier sur cette Harley Quinn. Ensuite, bien évidemment, le moment de la sortie, mon petit bébé. Mm-hmm. Infinity nous montre les photos et là, ça a été un petit peu catastrophique. Attention, ça va commencer. Voilà. Donc là, c'était la photo de la version final. Produit final, montrer aux clients ce que c'est devenu. Et là, 90% des gens dans les commentaires n'étaient absolument pas conquis. Ils ont préféré la version prototype à la version finale. Mais, bien évidemment, Infinity n'a répondu absolument personne. Ils ont dû se dire, merde, il y a un problème. Donc, il y en a même plusieurs. Donc là, mis à part, c'est vrai que le niveau du visage qui a changé, on peut dire clairement. Après, il y a une différence de lumière, hein, mais c'est vrai que le visage a l'air quand même différent. Hein. Là, je vous mets... On met le... Ah, c'est entre Margot Robbie, entre la photo et... Du prototype et la photo du produit final. Vous jugez par vous-même. Effectivement, le visage, il y a quelque chose qui a changé. Attention, comme tu l'as dit, bébé, les couleurs sont différentes, donc on peut pas dire que c'est pas la même couleur de t-shirt ou quoi que ce soit. Là, on parle vraiment purement visage. Sur la version du prototype, vous voyez le tatouage bien visible. Sur la version produit final, ils se sont amusés à le remonter. Bah, comment ça se bébère ? C'est comme bizarre, mon petit bébé. Je ne sais pas. Enfin bref, il y a des choses qui n'allaient pas. Longueur des cheveux qui a été dit dans les commentaires par Yves, justement, de la scène de la chaîne virtuelle de Ville. Moi, j'ai dit quelque chose aussi, mais on va revenir dans la vidéo. Enfin bref, pour moi, il y avait des petits problèmes. Après, Flankster, qui est un YouTuber américain, je crois, a reçu la pièce. Et là, putain, je viens de tilter qu'à gauche, c'était le proto. Oui, bébé. Je croyais que c'était une photo. Ah ben non, bébé, c'était le prototype. Ah, franchement, le proto, ouais, non. Ah, en fait, pour moi, il était nickel. Ah ben voilà. Et en finalité... Au début, je voyais la photo du film. Et puis en bas, je regarde la base. T'es en train de te dire... Ah ouais, non. Franchement, c'est pas pour mentir ou quoi, mais... Ouais, non, là, après, les lumières sont différentes, mais le visage, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir changé quand même. Il a pris une gifle, hein, mon petit bébé. Ouais. On va être honnête. Hein. On va être honnête. Même les trous du t-shirt sont pas les mêmes, le t-shirt n'est pas le même. Même la couture. Ouais, la sorte de couture en diagonale ici au niveau du torse, c'est différent. Mais ça en soi, allez, on veut bien passer là-dessus, mon petit bébé. Ouais, oui. Infinity Studio, parce qu'il y a des choses à dire. Hein. Infinity Studio. Donc sort... si la vidéo, il y a un sale cut pendant qu'on parle, c'est normal, c'est l'appareil qui peut enregistrer que 30 minutes par 30 minutes. Donc s'il y a un cut où on est en train de parler, désolé, c'est pas de notre faute. Mais ça mérite un peu des explications sur cette pièce-là, mon petit bébé. En soi, le problème des t-shirts, c'est tout. Donc, Infinity Studio, une fois qu'ils montrent leur produit final, ils montrent aussi le unboxing de la pièce. On regarde l'unboxing, déjà plusieurs trucs qui marquent. Attends, eh bien, je cherche les photos. Hein. Vas-y. Tac. C'est bien préparé, ça. Voilà. Alors, quand on voit l'arrière, ils nous ont mis une vieille cale blanche, dégueulasse, qui tient la batte de baseball. Franchement, ça, c'est horrible. Ouais, non, ça, c'est dégueulasse. Alors, on peut peut-être essayer de la camoufler avec le t-shirt, mais je suis pas sûr que ça fasse un résultat très beau. Essayer de remonter le t-shirt dessus ou je ne sais quoi, mais non, c'est dégueulasse, on peut pas faire ça, quoi. Mais t'inquiète pas, eux, Infinity, ils l'ont caché sur le prototype, il était peut-être d'ailleurs pas, et ils l'ont caché aussi sur le produit final. Alors, soit ils l'ont enlevé avec leur Photoshop, ou soit ils ont remonté un petit peu le maillot. Je pense qu'ils l'ont enlevé par Photoshop, allez voir les photos par vous-même. Mais ça, alors, vous allez peut-être dire, oui, mais peut-être qu'il y a moyen de, c'est pour tenir la batte. Possible, mais pas un truc aussi gros, quoi. Et pas blanc, dégueulasse, qui ressort comme ça du t-shirt, hein, mon petit bébé. Ben aussi gros, je sais pas, parce que c'est peut-être pour pas abîmer le... Le silicone, enfin non, ben non. Ben non. En finalité, non. C'est pas pour abîmer le silicone. Il y a un problème, les mères. J'allais dire, oui, c'est pas pour abîmer le silicone, mais non, il n'y a pas de silicone à cet endroit-là. Donc oui, non, ils auraient pu très bien, c'est de la résine, ils auraient pu très bien poser la batte dessus. Je pense pas qu'avec le temps, ça se serait affaissé. Peut-être que le silicone, lui, peut-être avec le poids, peut-être, c'est possible. Peut-être que ça aurait fait un creux. Mais non, ça nous fait un... Ça nous enchaîne sur justement le problème. Une belle transition. Le gros problème de ce buste-là, et j'en ai discuté avec des amis collectionneurs qu'au début, on se comprenait pas. Ils disent, mais non, t'inquiète pas, il y a le collier et tout. C'est pas l'histoire du collier. L'histoire, c'est que Harley Quinn... Là, on est plus sur un buste
Silicone, comme la Mera, par exemple, qui a du silicone jusqu'au décolleté. Là, non. Ils ont fait pareil aussi avec la Daenerys, qui sera en silicone. La Wonder Woman, qui est aussi en silicone. Et sur celle-ci, mon petit bébé R. Et là, ils ont dit, Nick, on le fait que la tête, ça coûte moins cher. Bah, oh, je vois que ça va bien. Ouais, j'en sais rien. Alors, en soi. Ou alors, peut-être que c'est pour la badge, j'en sais rien, mais c'est une décision merdique. Pourquoi ils ont pas descendu jusque-là? Il n'y aurait jamais eu de problème. Tu vois, il n'y avait même pas besoin de faire de jointure. Mettre des petits patchs aussi de silicone au niveau des trous du t-shirt, parce qu'on va revenir là-dessus aussi. Mais du coup, ouais, ils ont fait que la tête. Alors, j'ai des amis, ouais. Ils l'ont coupé au niveau du cou, décapitation, et ils se sont dit, ça se verra pas, on va mettre le collier. Alors, voilà, ça, c'était la discussion que j'ai avec des amis collectionneurs. Mais t'inquiète pas, il y aura le collier. Non. Hop, 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 pas de sexy. Pas de sexy. Par rapport au Bruce Lee, si vous enlevez un petit peu son vêtement au Bruce Lee, vous avez aussi forcément la jointure, tu sais, c'est tête. Et là, vous avez le body qui est en résine. La différence de texture et de couleur est énorme. Même si le body aurait été peint de la couleur de la tête, entre du silicone et un body satin, satiné ou mat, je sais même plus, forcément, ça peut être que visible. Et on va vous montrer par rapport à l'unboxing justement de ce que j'avais dit, Flankster qui a reçu la pièce, et quand j'ai regardé, maman seigneur, j'ai fait, c'est pas possible. Et ah, ça, non, ils ont chié totalement. Dans les commentaires de la Harley Quinn sur Infinity, quand ils ont, personne a discuté du problème de body. Et c'est moi qui a signalé, j'ai pas dit que j'étais le Messi, attention, loin de là. Mais moi, c'est le premier truc qui m'avait marqué, parce que nous, on a déjà des autres pièces d'Infinity, donc on voit les différences entre le body et le silicone. On va vous mettre une photo de Flankster, regardez. Et là, voilà, là, je vous la mets en gros plan. Donc là, la lumière, elle est dégueulasse, on est bien d'accord, mais même avec une belle lumière. Donc, il n'y a pas le collier, hein, il n'est pas encore mis, mais le collier ne camouflera pas tout. Hein. Le body bien clair avec le cou un peu plus bronzé, entre guillemets, c'est dégueulasse. Alors, on ne verra pas la jointure, certes, il y a le collier, mais la différence de texture... La différence au-dessus du collier et en dessous du collier, ça, on la verra. Si vous regardez la pièce à 4,50 m, oui, ou dans le noir, vous ne la verrez pas. Mais si vous êtes là, vous la verrez, c'est systématique. Et on va vous montrer les photos, la preuve que c'est visible. Et là, c'était déjà un problème. On s'est dit, putain, mais pourquoi ils ont fait ça alors que sur les autres bus, ils ne font pas? Pourquoi? Incompréhensible, et ça, on cherche toujours. On continue un petit peu, Flankster. Et là... Cerise sur le gâteau, mon petit bébé. Oubliez les mains du Bruce Lee. Oubliez les mains du Joker Joaquin Phoenix. Oubliez les belles mains de notre ami de Superman. Oubliez les beaux doigts de notre ami Aquaman. Là, ils ont tapé fort. Ils ont fait le bras qui tient la batte du silicone. Ouais. Les ongles sont peints. Là, c'est bien. Accrochez-vous. Hein. J'espère que vous êtes bien assis. Hein. Et là, ils nous sortent ça. Ils nous font des knackis. Des doigts résine non texturés, comme tu viens de le dire, bébé. Ouais, c'est ce qu'on bouffe à l'apéro. Quoi. Ouais, on voit à peine l'ongle. C'est on n'a même pas les rides au niveau des phalanges. C'est tout lisse, c'est tout dégueulasse. Enfin, ça va pas du tout, quoi. Non, il n'y a rien qui va, là, bébé. Là, c'est... Alors, peut-être qu'ils ont fait en résine par rapport au poids du pistolet. Et encore, je sais pas. De toute façon, ils auraient pu mettre une cale comme pour la batte. Bah, tu sais, bébé. On n'était plus à ça près. Hein. Regarde, le gant est en résine. T'as vu la rigidité des doigts? Regarde. Ouais. La rigidité des doigts du Superman, ils auraient fait des doigts rigides comme ça. Ouais, mais peut-être que pour le temps, dans la durée, tu vois, je sais pas. Après, ils auraient pu faire les bouts de dos en silicone et le gant en résine. Oui, c'est ça que je veux dire. Le principal du pistolet, de toute façon, c'est vraiment dans la crosse. Donc, là, pour moi, j'arrive pas à justifier ce choix de résine au niveau des doigts qui est très dégueu. Parce que le pistolet en résine, il fait pas 2 kilos, bébé. Hein. Donc les doigts, comme tu dis, ils auraient juste posé sur le pet-pet. Mais là, en fait, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Incompréhensible. Si vous avez des explications, mis à part l'explication de peut-être qu'avec le temps, le poids du pistolet, mais après tout ce qui est accessoire chez Infinity Studio, c'est pas très lourd quand ils font de la résine. Regarde le masque, bébé. Et quand on voit la rigidité des doigts du Aquaman, ils auraient pu faire l'effort de mettre des bouts en silicone. Là, on se retrouve avec des knackis sur un tarif de 4 700 €. En plus, qu'on se retrouve avec une différence de teinte. Alors, peut-être que vous allez vous dire, non, on voit pas les différences. C'est pas possible. On verra pas. Ils sont pas aussi fous. On verra pas la différence de teinte. Pas de problème. Parce qu'attention. Pas de problème. Là, on va prendre la photo. On a étudié le dossier. Regardez. On va prendre la photo d'unboxing. Donc là, vous avez. Il n'y en a pas une. Il n'y en a pas deux. Il y a 3 différences de teintes, quoi. Là, vous avez le bras en silicone, le biceps
en résine, mais d'une couleur un peu plus bronzée. Et ensuite, on arrive sur le body qui va faire... Ce body-là, c'est l'intégralité de la couleur du corps. Mm. Et là, vous voyez bien qu'il y a quand même une différence de teinte et une différence de texture. Bah, j'espère qu'ils le voient, parce que franchement, ça saute aux yeux. Donc, si vous ne le voyez pas, peut-être aller faire un petit tour chez l'ophtalmo. Alors, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que cela engendre? Ben, Bébert, on va le voir tout de suite. Donc, on remet une photo. On a fait des recherches, attention, des photos de collectionneurs. Donc là, vous voyez la base, mais c'est pas ce qui me choque le plus. C'est que regardez la teinte du body. Donc, le trou au niveau du t-shirt, juste au-dessus de la base. Et ben là, on aperçoit ce magnifique body. Blanc comme neige. Bébert, il est aussi blanc que ton truc. Ouais, aussi blanc que moi. Ça aurait été un buste de moi, j'aurais pas dit. Bah oui, Bébert, mais là... C'est compliqué. Hein. Et quand vous regardez un petit peu sur la photo, un petit peu sur la droite, regardez, monsieur, il a mal mis le t-shirt, c'est pas le problème. Mais là, vous voyez la différence entre la teinte, le bras et le silicone. Et en gros, vous allez avoir ça en pleine face. En pleine face, à moins que vous lui remontez le maillot au cou. Ah non, c'est une catastrophe. Hein. Et même le t-shirt, il a l'air moins quali. Hein. La couture en diagonale, là, franchement, ça a l'air moins quali. Hein. Et un peu plus transparent. Je sais pas ce qu'ils ont foutu sur ce buste-là, mais ils ont merdé. Là, on vous remet la photo du produit. Regardez le cou. On va le voir, le cou. Tu vois, bah regarde, oui, on voit. Non, ça peut être que visible. Donc, tu as vu, ils ont joué avec les couleurs, là, tu vois pas trop. Mais entre le silicone et le body, il y aura forcément. Même en remontant le t-shirt pour minimiser la taille de peau qui sera vue sur le dessous du collier, ça se verra quand même. Et ça va faire. Ça va pas faire ouf. Bah surtout qu'à la base, le prototype, on devait se retrouver, je vous le remets, avec un tatouage visible. Ouais, tu vois, donc eux, ils ont bien descendu. T-shirt plus échancré. C'est ça, et on se retrouve avec un tatouage visible. Et là, oui, c'est cool, ça fait beau. Putain, mais ouais, je sais pas pourquoi, là, c'est plus du tout pareil. Hein. Là, il y a des petites croix, toujours pareil, hein, je parle du pli ici au niveau du t-shirt. Il y a des petites croix, même les trous sur le t-shirt, bon, ça, c'est pas très grave, mais même les trous sur le t-shirt sont différents, mais... On a des petites croix de couture avec la truc en dessous. Et sur les autres photos, c'est juste une couture, je crois. Ouais, c'est une couture. C'est une couture. Regardez le body, là. Oh là là. Non, c'est blanc comme neige. Donc ça, c'est les gros problèmes qu'il y a sur la Harley Quinn et qui nous dérangent. C'est pas concevable. Au prix de la pièce, on n'a pas le droit de faire ça, quoi. C'est une catastrophe, parce qu'en plus, il est beau, le bus. C'est un beau bus de femme. Franchement, ils auraient pu faire un truc génial. Bah, surtout qu'ils ont les capacités de le faire, ils l'ont fait partout. Ouais. Pourquoi ils l'ont pas fait là? Ah non, là, ils ont chié dans la colle. Là, ils auraient pu faire un petit patch de silicone, quoi. Et puis faire toute cette partie-là en silicone. Et puis au moins, tu n'aurais pas eu de démarcation, de différence de teinte. Désolé pour les pervers qui voulaient lui tâter le nichon. C'est de la résine. Ça sera de la résine, donc... Ce sera pas terrible. Mais on dit pas qu'il fallait qu'il fasse le corps complètement en silicone, mais au moins les endroits où on voit pas qu'il y a pas de différence. Là, les différences vont être, pour moi, énormes. Alors, on peut se permettre, nous, de le dire, parce qu'on voit toutes les pièces de chez Infinity Studio par notre collection, aussi par celle des amis. Mais celui-là, il est incompréhensible de la part des collectionneurs qui ont déjà des bustes Infinity. Le mec qui va recevoir ça pour sa première pièce d'Infinity, il va être content. On peut pas dire qu'il va faire tu vois que c'est de la merde. Il saura pas. Mais quand on voit les deux, même un débutant qui connaît pas les bustes. Enfin moi je reçois une main avec des knackis, franchement au prix de la pièce, c'est mort. Ouais, mais c'est clair. C'est pareil, le body blanc avec le visage, la différence entre le body blanc et le visage, ça sera visible forcément. Même moi pour une première pièce, je pense que ça ferait chier quoi. Alors après, mon petit bébé, ce qu'on espère tous, parce qu'il y a eu un peu de retard d'expédition, donc ils ont montré la pièce, ils ont bien vu qu'ils se sont fait démonter, que certains revendeurs, leurs préco ont annulé, énormément de revendeurs ont eu la préco annulée. Donc forcément, les revendeurs remontent un peu les infos à Infinity. Et est-ce qu'Infinity s'est dit, oui, c'est vrai qu'on a un peu chié dans l'école. Dans la colle. C'est sûr qu'ils vont pas nous refaire un body, mais peut-être qu'ils ont retravaillé un peu les deux, je sais pas. Je peux pas vous dire, mais à la rigueur qu'ils essayent de peindre au moins le body de la même couleur, de trouver une teinte qui se rapproche. Après, on aura toujours le problème de l'effet lisse du body et la peau qui est plutôt texturée en silicone. Ça, on aura toujours le problème, mais disons que si la couleur déjà, elle se rapproche, ça limiterait entre guillemets un petit peu la casse. Mais je suis tellement d'accord avec toi.
non, ça reste de la merde. Ça, ça restera de la merde quand même s'ils peignent la résine couleur peau. Quoi. À voir, on verra la réception. C'est pour ça que j'ai décidé de la prendre, parce que je veux voir de mes yeux ce que ça dit. Et il y a des trucs, c'est pas normal. Pendant là, je pense qu'on a fini un petit peu le côté critique de cette pièce, parce qu'il y avait quand même des choses à dire, autres que la vie qu'on avait. Je vais quand même vous mettre des photos de collectionneur, d'un collectionneur qui l'a reçu et qui a fait lui des belles photos, parce que c'est vrai qu'Infinity Tools, je trouve qu'ils sont pas trop doués au niveau de leurs photos, bébé. Tu vois, ils font. Bah, elles sont pas mal, mais. Ils font des photos de parti pris. Le bordel porteur, enfin. Ouais, après, celle-là, c'est sûr que c'était pas les plus belles, mais. Donc là, on va vous faire dérouler les photos, et les photos des collectionneurs, quand ils font des belles photos, pas avec un téléphone, mais avec un beau réflexe, ça a l'air d'être pas mal, mais il y aura les problèmes existants. Ça, après, là. Ça se voit pas trop sur cette photo-là, le problème de différence de couleur, parce que, ouais, la photo est retouchée, il y a l'air d'avoir une lumière assez puissante. Donc, ça choque pas énormément sur cette photo. Mais bon, à voir en vrai, parce que, non, ça se verra. Pour moi, ça se verra, c'est sûr. Après, je ne sais pas. On verra. On verra, bébé. Quand on aura la réception. La réception. Quoi. Mi-juin. Et on fera la vidéo quasi, derrière, comme ça, ça sera ouais. fait. Par contre, c'est sûr que le flingue a l'air cool, ouais. la batte aussi, le maquillage a l'air bien géré, etc. Il y a une tonne d'accessoires sur l'unboxing. Ouais. Il faut lui mettre les boucles d'oreilles, il faut lui mettre le bracelet. La question, elle est-ce que les, vous savez que la cacaille, des fois, ça déteint un petit peu sur la peau. Bon, nous, après, on sue, forcément, les personnages en buste ne suent pas, mais ça reste du silicone. Alors, est-ce que, j'espère pas que ça va faire des marques avec le temps. Enfin, il y a plein de choses qu'on va voir un peu avec ce buste-là. Ouais, Il y a des choses à voir et j'espère que tout va être bien travaillé. Le pistolet, bon, on a l'habitude de voir les choses en résine, donc au moment Infinity Tools font du bon travail. Espérons que le pistolet, il y aura pas trop de trucs dégueulasses dessus. Enfin, parce que franchement, là, ça serait, ils auraient carrément raté ce buste-là. Ils auraient compilé toutes les merdes qu'ils auraient pu faire sur le même buste. Bon, mon petit bébé, je pense qu'il est temps qu'on conclue cette vidéo. Ouais, au final, on n'a pas du tout donné notre avis sur la pièce. Voilà. Enfin, on n'a pas fait comme d'habitude, quoi. Mais bon, voilà, au moins, vous pouvez voir le problème. Et là, sur cette photo-là, ce qui est choquant, c'est la longueur des cheveux aussi. Ça a été critiqué aussi, ouais. Ouais, tu t'en avais parlé vite fait tout à l'heure, mais là, les cheveux, ils arrivent à la poitrine, voire un peu plus bas. Après, il y en a qui vont dire « Oui, mais les cheveux, ça se recoupe. » Oui, mais c'est pas nous de faire ça quand on paye une pièce 4 700 €. Il faut quand même être honnête. On va pas la note qu'on va donner, on va pas se baser sur les photos de collectionneurs, on va se baser vraiment sur les problèmes qu'il y a sur cette pièce, mon petit bébé. Et là, dans l'état, vu les problèmes, moi, ça me plaît pas forcément, je lui donne un 5 sur 10. Après, à la réception, peut-être que ça changera. Moi, je lui donne moins que la moyenne, parce que certes, le buste aurait pu être magnifique, mais pour moi, là, c'est des trop gros soucis. Rien que la main est dans un état catastrophique. Et pour le prix, moi, je peux pas comprendre comment on peut livrer un truc pareil. Donc, moi, ce sera un 3 sur 10. Oh, le garage, tu tapes fort. Hein. Mais en même temps, t'as raison. Ah, non, là, c'est pas. On est habitué à mieux en du gros, studio, quoi. Ils nous chient un peu à la gueule. Ils se disent, ouais, ça se vend bien. Allez, vas-y. On fait de la merde, on accélère le processus, j'en sais rien pourquoi ils ont fait ces choix-là, mais ça se vend, allez hop, on fait, je vais pas revenir sur ce qui est merdique, vous le savez, mais non, c'est une catastrophe, moi je n'accepte pas. Après, faire 900 exemplaires sur ce genre de pièces-là, c'est quand même énorme, peut-être que s'ils en auraient fait que 300 ou 200, on serait pas arrivé avec des soucis comme ça. Peut-être. Tu vois, bébé, il y a ça. Alors, c'est une préco, moi, que j'avais repris chez un particulier. Je crois que lui, sa préco, elle datait d'octobre 2021. Donc, le buste date aussi. Je pense qu'ils ont eu des petits soucis de fabrication. Et arrivé un moment, ils se sont dit, allez, ils commencent sérieusement à nous casser les couilles. C'est possible. Faites comme ça, les gars, mettez-lui la tête avec une vis. Non, ça. Mais bon, au moins, on aura la réponse de tout ça, mon petit bébé, en mi-juin. J'ai hâte de voir ça. Ben, c'est pour ça que j'ai décidé de la garder, bébé. Parce que j'ai hâte aussi de voir tout ça. 5 sur 10 pour moi, 3 sur 10 pour bébé, il a tapé fort. Et puis, c'est tout, on va s'arrêter ici, mon petit bébé. Hein? Ouais, ça me paraît bien. Sur ce, les petits pouilleux. On n'a pas encore été coupé des 30 minutes, Joe, faut qu'on termine tout de suite. Mais là, il y a un problème. Ouais. Alors, soit s'enregistrer, ou soit ça enregistre pas. Soit ça a coupé, on s'en est pas aperçu. Oh non! Bon, allez, les petits pouilleux, les petites pouilleuses. Allez, bisous, à la prochaine. Salut.